Bonsoir à tous. En ce soir du 11 novembre, j'avais envie de partager avec vous cette pensée du soir. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » L'apôtre Paul relie la Genèse et nous parle du destin extraordinaire d'Abraham, le père de tous les croyants, qui a eu donc une façon de croire en Dieu qui lui a donné d'être le père d'une descendance nombreuse. Espérant contre toute espérance. La formule va de soi, on a même du mal à la penser autrement. Pourtant, que veut dire espérer contre toute espérance ? Peut-être espérer contre toute probabilité, croire au-delà de tout ce que notre raison nous dicte. Espérer contre toute espérance, c'est croire au-delà de la raison, au-delà de ce que l'on peut espérer raisonnablement. Et ainsi, ouvrir les portes des possibles que personne n'avait encore jamais ouverte. Abraham a pris la route sans savoir ce qui l'attendait, mais il a osé croire que Dieu l'attendait ailleurs, dans un avenir encore ignoré, un avenir à inventer. C'est cette foi qui est fertile. Alors souvent, nous ne savons pas où nous allons et ce qui nous attend, mais c'est cette foi qui nous donne un avenir, qui nous met dans un monde de fécondité pour nos vies. Alors confiance et que la nuit vous soit douce.